Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je dois faire un peu de bonne histoire, évidemment. Puisque nous avons l'objectif, hein, bien sûr, un objectif assez préoccupant, ça va être de débloquer les raids. Et pour les raids, il faut atteindre le grade numéro 30. Et pour faire cela, oui, c'est bon, je suis pas en stream, tout va bien. Il faut compléter les niveaux défis intermédiaires. Et pour ce faire, il faut compléter une histoire. Secondaire. Là, je trouve les mots. L'Académie des Shigami, donc on va faire ça tout de suite, immédiatement, évidemment. Et on verra un peu ce qu'il se passe, évidemment. Donc, histoire secondaire. Ah non, je ne sais pas où est-ce qu'elle est exactement. Ne vous inquiétez pas, on va voir ça tout de suite. Burn the Witch, non. Peut-être dans le monde des humains. Ça de la première, non? Alors, tac 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 tac. Est-ce que j'aurais dû regarder avant? Évidemment. Mais bon. Je suis pas un professionnel, donc tout va bien. L'Académie des Shingami, est-ce que c'est celle-ci? Attendez. Attendez, attendez. Normalement, ça doit être les premières missions, j'imagine. Oui, l'Académie des Shigami. Ok. Alors, est-ce que je vais doubler les voix ou quoi? Ah, on verra. L'envie me prend comme ça. Ok. Chapitre 1, normal, d'accord. Termine la quête en moins de 3 minutes. Ok, on voit des oeufs, essayer de choper les orbes. On sera extrêmement content. On va y aller avec l'équipe Gang Cristo. Hein. Ah, intéressant. Ah, il y a peut-être des ninjas que je n'ai pas. Enfin, des. Pardon, c'était l'habitude. Des personnages que je n'ai pas. Nous verrons. En récompense de mission. Ok. De toute façon, on garde tout. On est extrêmement content, évidemment. Alors, petit chargement. Ok, ça craint, on va être en retard. C'est ta faute. Je te cherchais et toi, tu dormais dans un arbre. La ferme, je dors aux cheveux d'abord. J'aurais mieux fait de partir sans toi. D'accord. Affreux. Les Rokugai est divisé en différents districts, numérotés de 1 à 80. Le premier est sûr et paisible, mais plus le numéro est élevé, plus le quartier est mal famé. C'est impressionnant! Izunuri, 78e district sud du Rokugai. Donc c'est compliqué, quoi. Les adultes étaient tous des voleurs ou des assassins. Et les enfants vivaient comme des chiens errants. Ah oui, c'est là que nous sommes rencontrés dans cette ville. Ou plutôt dans cette décharge. Rukia était le noyau de notre groupe. Elle était arrogante et parlait comme un garçon. Mais quoi qu'elle fasse, elle émanait d'elle une aura de raffinement. Depuis que Rukia était devenue notre amie, 10 années s'étaient écoulées. Et nos amis étaient tous morts. Renji, devenons des Shigami. Oui, devenons des Shigami. On ne va pas arriver en retard à la cérémonie du début de l'année, c'est impensable. Si on court, on doit pouvoir arriver à temps. D'accord. Oui. Bon, on va quand même. Ok.
Et je vais quand même jouer en mode manuel. Oh les ninjas. Impressionnant. Sachant que je pense que les. Ils doivent être. Ouais, d'accord, ils sont niveau 5. Même pas le temps de casser la caisse. Dépêche-toi, Rukia. Je te l'ai dit, c'est de ta faute. Pff, on est arrivé à temps. C'est donc ça la Kevin des Shigami? Oui, allons-y. X. Bon. Oui, plein d'orbes. Vive les orbes, j'adore les orbes. D'accord. Ok. Alors, est-ce qu'on peut. Voilà, compléter. Ok, il n'y a pas de conditions particulières. J'espère qu'il n'y a pas beaucoup de chapitres. Hein. Parce que bon. Ok. Alors. Bienvenue aux nouveaux étudiants. Ah bah décidément, on se voit dans un an d'amphithéâtre français. Bienvenue aux nouveaux étudiants. L'Académie des Shigami forme les experts en Kido, les commandos secrets et les 13 divisions de demain. Nous attendons de vous diligence et respect de nos traditions. De l'extérieur, je me disais que cette école avait l'air énorme. Et bien, une fois à l'intérieur, c'est vraiment énorme. Arrête de murmurer, Reggie, et tiens-toi avec dignité, idiot. Ne vous contentez pas de travailler pour intégrer les divisions. Entraînez-vous durement pour devenir des membres clés de vos groupes. Pour commencer, je vais vous parler des Shigami. Shigami, commando secret, expert en Kido. Ils ont chacun leurs responsabilités propres. Si vous les connaissez. Moi, je le sais. Professeur, je sais, je veux répondre. Vous êtes en forme, c'est bien, mais aujourd'hui il s'agit juste d'une introduction générale. Je vais donc continuer les explications moi-même. Ça, c'est. Le prof qui dit non, mais. Laisse-moi faire, je gère. Il manque de bon sens. On voit qu'il vient du Rokungai, du 70e district. Pourquoi est-il si pressé de donner son opinion? Un peu de calme, bien, passons à la suite. À la discrimination envers les pauvres, hein, évidemment. Reggie, on ne doit pas traîner comme ça. Il faut rejoindre la salle de cours. Dépêchons-nous. J'aime quand tu lèves la main avec un air si bon, aussi bon, Reggie. Alors continue de le faire avec enthousiasme, d'accord? Mais qu'est-ce qui te prend? La plupart des étudiants viennent de la haute aristocratie. Il n'a aucune idée de la vie que nous avons dû mener. On n'y peut rien. Mais pour avoir quitté le Rokugai et entrer ici, il y a toujours un fossé entre eux et nous. Ah ça, c'est compliqué, Renji. Hein. Je leur prouverai ma valeur. Petite histoire annexe comme ça, hein. Casse tout comme Link dans Zelda, évidemment. Ok. Ok. Puissance Shigami, d'accord. Ah oui. C'est ultime là? Je sais pas si je l'ai touché. Bon, ma clé c'est ici. À tout à l'heure, Okia. Ne pleure pas trop parce que je ne suis pas avec toi. Arrête de raconter n'importe quoi et dépêche-toi. Quel ingrat sur LG, il a eu QO d'intégrer sans moi une classe spéciale. Oh là là. Sous petit caisse x5. Excellent. Chapitre 3. Hein. Il y a peut-être un résumé à côté. Exceptionnel.
Impressionnant. Ok. Ok. Première section, entraînement ou technique de destruction, commencez. Les deux chiens et deux chants, celui qui porte le nom du roi, chaleur et chaos, un océan qui déferle vers le sud. 31e technique de destruction, boulet rouge. Évidemment, en français, c'est absolument horrible, mais quand on a la version. Quand on a les formules nippones, bien sûr, mais calmez-vous, tout va bien ce soir. Bravo, Memory, du premier coup. Qui, c'était juste de la chance. Les autres n'ont même pas atteint la cible. Ah oui, il y a un petit. Wow. Et donc, il y avait une cible avant, quoi. Quelle classe! Il a touché la cible dans le plein milieu. C'est lui qui vient de tirer? Il se débrouille celui-là. Il y a ça dans ma classe. Troisième section. Je sais pas ce qu'il sait, mais je vais lui montrer, moi. Faire bouche du premier coup. Tenter une technique de destruction boulet rouge. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une explosion, comment? Mais comment est-ce possible? Ah bah et tu continues après les cours. Passons maintenant au duel de sabre. Direction de Jojo. Ah, RNG. Il s'est un peu tremballé. Ça c'est la fougue, hein. La fougue bien sûr. Taper la petite caisse. Bonus de Kams. Pourquoi pas. Bah, je pense que ça va être le genre de quête que je vais faire une seule fois, puis après dans la mesure du possible, pas du tout les faire. Bien, vous allez faire des duels d'entraînement au sabre, deux par deux, les uns après les autres. On va commencer par vous deux, là. Bien. Ce type, c'est celui qui a tout déchiré pendant l'exercice des techniques de destruction. Bon, il faut que je me rattrape ce coup-ci. On y va doucement, d'accord? En garde, commencez. Ah. Ya, ya, ya. Oh, voilà, doucement. Pas question d'aller doucement. Prends ça. Calmez-vous, faut pas le tuer quand même. Ça suit comme ça. Bon, je me suis un peu rattrapé là. Kira, tu es blessé? Ça va, hein? Tu as été trop fort. Tu as l'air fatigué. C'est toi. J'ai envie de me reposer un peu, tu permets? Vas-y. Tes coups m'ont laissé un peu sonner. M'ont un peu sonné, peut-être que c'est plus. Bon, bref. Ta puissance m'a submergé et je n'ai pas pu contre-attaquer. Ouais, tu es encore endolori. Je suis désolé, c'était pas contre toi, mais bon. Je suis planté en Kido, donc je voulais me rattraper au sabre, quoi. Tu comprends, quoi. Sabre, point, mouvement, Kido. Nous devons tout maîtriser pour être des Shigami efficaces. Nous, on ne peut pas faire d'impasse. Oui, c'est vrai, mais bon. Quand même cool, quoi. Moi, je suis fort dans un domaine, quoi. Je m'appelle Izuku Kira, enchanté. Présentation et poignée de main, tu viens d'une autre famille, toi. Hein? Les poignées de main, c'est pas mon truc. Je suis Renji Abai, content de te connaître. Bon, j'espère qu'il va pas lui donner une grosse baffe, mais. Tout s'est bien passé. Tout s'est passé sans encombre. Ah, tout va bien. Ok. On gagne un maximum de cans, pourquoi pas. Chapitre 4. Préparatif de quête. Ok. Ah, j'aurais pu mettre le bonus XP. Quoique c'est des. Ses adversaires sont niveau 5, donc je pense pas que je gagnerai beaucoup d'XP malgré un bonus. Pourquoi moi et pas les autres? Pourquoi je vais tourner à l'entraînement de Kido après de me taper la course à pied? Et d'abord, à quoi ça sert cette course à pied? À rien. Endurance.
Seb, point mouvement Kido, nous devons tout maîtriser pour être des Shigami efficaces. On en a parlé tout à l'heure, il faut qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Ouais, c'est toi, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu que tu devais continuer l'entraînement après les cours, je me suis dit que je vais te donner un petit coup de main. Y va? Quand même, le mec, il y a quand même pas. Alors que Renji est un petit peu bourru, n'est-ce pas? Tout se passe bien, évidemment. Il y a le petit ninja qui va être problématique. J'ai utilisé une strong pour le mastodonte. Professeur, on a fini le course à pied. Mais qu'est-ce que tu fais là, Kira? Il n'a pas besoin d'entendre particulier. Je me suis dit que j'allais l'aider un peu. Je vois ton attitude à toi aussi est remarquable. C'est absolument exceptionnel. Comment ça, à lui aussi? Il ne m'aurait venu me dire qu'elle connaît à s'entraîner indépendamment plus des cours. Je me permets de me joindre à vous. En plus des cours, mais quel sérieux! Bravo, c'était bien, elle vient de mourir. Mais non, pas du tout, c'est normal. Puisque vous êtes là, continuez-vous de vous entraîner de façon un peu différente. En vous mesurant deux par deux. Le vainqueur sera celui qui arrive à toucher la cible, le plus grand nombre de fois en utilisant le Kido. D'accord, ce sera plus drôle que de s'entraîner tout seul. Il faut d'abord que tu apprennes à toucher la cible si tu veux gagner. C'est bon, boucle-là. Ça va te prendre 5 minutes maximum. C'est la bonne attitude. Bien, pour commencer, Abari Mumori. Donnez tout. Je te l'avais dit, il faut d'abord que tu apprennes à toucher la cible. L'affaire. Faisons notre mieux, tous ensemble. Avec la puissance de l'amitié, oui. Ok. Et des sous-tickets, s'en veux-tu, en voilà. Excellent. Chapitre 5, et ben dis donc. Et pas de conditions particulières. Ok. Ok. Un mot? Bon, putain. Ah, c'est l'heure d'entraînement au sabre. J'ai hâte de fondre l'air avec ma lame. Hé, tu as l'air content d'y aller, Abareil. Bah, je me suis fait démolir par Kira pendant l'exercice des techniques de destruction, alors. Il faut dire que Kira a vraiment un talent exceptionnel. Mais non, pas du tout. T'es tellement modeste que ça donne presque faux, alors arrête. Du calme, toi aussi tu as fait de gros progrès. La charpe de balle a jonglé entre les bois, mais... Toujours les. À mon avis, les voix féminines, je suis 0 pointé sur 20, mais on donne tout quand même. Oui, tu as fait du deux chemins depuis ton premier essai, tu te souviens? C'est vrai que c'était quelque chose. Hâtez de me rappeler ces heures sombres, oubliez tout ça. Dites-vous plutôt que Sam, je prends n'importe qui, je vais découper mon adversaire en rondelles aujourd'hui. Alors, en rondelles, bon, effectivement, c'est un peu de l'overkill, mais bon. Rondelle, sauf que c'est juste un entraînement, tu dois te maîtriser. Le professeur va encore te passer un savon. Évidemment, Kira a raison. Ça va, je le sais, ça. Mais bon, c'est pas encore mon tour, ça me dérange pas. Bon, ça commence à me démanger un peu, là. Attendre, on dira un élève modèle plein de. Oui. Plein d'enthousiasme, effectivement. Mais j'ai du mal pour celui qui sort en face de lui aujourd'hui. C'est vrai qu'Abai est très fort, j'espère juste que personne ne sera blessé. Bon, on se prépare à y aller, Momori? Et...
Yes, là. Pour les Cans, bien sûr. Y a pas de caisse. Ah, mais il y a une caisse là. J'ai peut-être raté des caisses dans des étages précédents, mais va bien. Des cristaux là qui font plaisir. Il y a un peu de strong pour l'overkill, ça fait toujours plaisir. Ok, c'est bon. Izuku. Suivant, Kira Abarai en place. Pardon? Celui qui affronte Abarai l'entraînement aujourd'hui, c'est moi. Ah là là. Terrible désillusion pour Kira qui comprend que ça va être problématique. Terrible. Quoi, Kira? Bon. Je vais te faire payer tes petits traits d'esprit tous les. Tout à l'heure. Je vais te montrer, moi, de quel bois je me chauffe. Non, une seconde, comme on te le disait avec Marie, c'était qu'un entraînement, alors bon. Il y a les mollo, quoi. Arrête de pleurnicher, espèce de mauviette. D'accord. C'était pas le problème, je me trompe ou tu as l'intention de te battre sérieusement? Tu te trompes pas du tout. J'ai envie de te péter la gueule, moi. Regarde, comment c'est. Bon, évidemment, le temps que. Je remets mes doigts sur mon petit clavier. Ouille. Le ouille. C'est pas du tout naturel. Kira, ça va, j'espère. Je suis désolé, je me suis un peu emballé. Tu n'as rien. Ça va, j'ai encore le brin dans l'oreille, mais je n'ai rien. Tu es vraiment fort à Barai. Et c'est pour ça aussi que tu dois te maîtriser. Vous certes l'a dit, non? Je sais, mais bon, voilà. Et venez vite. Si on se dépêche pas, on va le rater. Rater quoi? Il s'est passé quelque chose? Regarde la foule là-bas. Allons voir. D'accord. Oh, le suspense est insoutenable. Mais c'est interminable. Au secours. Juste au secours en fait. Oh là là, c'est un véritable marathon. Hé, venez vite, si on ne se dépêche pas, on va le rater. L'écrit venait de là-bas, non? Quel fou. Il y a quelque chose. Un capitaine de division est venu inspecter les nouveaux. Ça alors, un capitaine? Le voilà. C'est un capitaine? Ce capitaine était hallucinant. Sa pression spirituelle était très différente de la nôtre. Il faut qu'on travaille dur encore et encore. À Barry Kira, il faut qu'on donne tout ce qu'on a. Tous ensemble. Avec la puissance de l'amitié, bien sûr. Oui, tout ce qu'on a. Bon, retournons dans la salle de cours. D'accord, Barry. Qu'est-ce que tu as à rougir comme ça? Je ne rougis pas. Pourquoi rougir cette île? Bonne question. Ok, je n'aurai certainement pas de réponse. C'est pas bien grave. Et... Les petits cons. Et vu qu'il y avait un mastoc, je préférais lancer.
La Strong 3 au loin, c'était pas si mal, je pense. Hop. Ah. Mais ça va pas, Reggie! Tu rêves ou quoi? Si moi, tu n'es toujours pas habitué à cette école, c'est toi qui me dis ça. Tiens, tu es chargé. En entraînement à l'extérieur? On va dans le monde des humains pour s'exercer contre des demi-holos. Des épouvantails holos. Pourquoi ce n'est que votre classe? Et pourquoi t'es dans cette classe? C'est normal, une question de compétence. À plus tard, je vais revenir plus fort que toi. Attends pour ça. C'est ça, et moi je vais être. Ouais. Continue l'histoire. Incroyable. Je vais peut-être pas avoir le temps de faire un taux d'histoire que celle-ci, du coup. J'espère que ça va finir au bout d'un certain moment, tout de même. Il va pas y avoir une centaine d'étages parce que sinon sinon je serais assez assez désappointé. Rocky et Range qui se sont connus dans le Rokugai se sont promis de devenir des Shigami. Mais même après avoir quitté le Rokugai, il y a toujours un fossé entre eux et les autres étudiants. Terrible. La plupart des étudiants viennent de la haute aristocratie. N'ont aucune idée de la vie que nous avons dû mener. Je leur prouverai ma valeur. Alors qu'ils se plongent dans les études et l'entraînement, Renji se fait des amis. Je m'appelle Izuku Rukia, enchanté. Faisons d'autres meutes tous ensemble. Avec la puissance de l'amitié, bien sûr. Quelques mois plus tard. Alors, Rukia, tu rêvais ou quoi? Ah oui. D'accord, il y a eu même un résumé des épisodes précédents là. Ok, d'accord. Tiens, tu charges un entraînement à l'extérieur, d'accord. Oui, ça on a déjà vu. Pourquoi c'est que votre classe? Mais où est ton chroniqueur? Question de compétence, à plus tard. Excellent. Avant de partir dans le monde des humains, pour notre entraînement, commençons par une petite présentation. Moi c'est Izaki, je suis en 6e année. La petite là c'est Kanisawa. Et le grand c'est Aoga. On les voit assez peu. Nous allons nous vous guider. Alors c'est Izigagi, le Isigagi. On se calme un peu. Tous ceux qui bavardent trop, on les laisse ici. Bah quoi, ils sont connus ces vieux. Il n'est pas au courant, celui du milieu est connu, il est même super célèbre. Shuei Izikaki. Il est sûr d'intégrer les 13 divisions sans même encore être diplômé. On dit même qu'il va y avoir un poste de lieutenant. C'est l'un des grands espoirs des 13 divisions. Mais comme il a raté l'examen d'entrée deux fois, et que moi je suis arrivé en tête, peut-être plus doué. Eh bien. La bête, mon gars. Bien, nous allons vous séparer en groupe de trois. Regardez votre papier et cherchez ceux qui contiennent le même symbole. Donc ça va à ça. Ce sont des groupes de trois. Il en manque un. Excusez-moi, bonjour. C'est toi, Emory. Salut. Salut. Tu n'as pas intérêt à flâner juste parce que t'es content. Attends, il a donné une mandale, là. Et fais-moi un petit peu ce qui se calme, le bon agi, parce que bon. Voilà, calmez-vous, de grâce, calmez-vous. La poubelle. Le syndrome de Lynx, il faut tout casser. Allez hop. Je sais pas comment je fais pour réussir à rater les poubelles, mais pas ça chez vous. Hein. Allez, holo minimum niveau 11.
C'était lui? Oui, c'était lui. Il était un tout petit. Non, il est pas plus grand que les autres non plus. Alors, c'est seulement 18 ans, c'est pas un grand bâtiment. Ah, c'est vrai. Tu vas continuer à être nerveux comme ça longtemps? Blah. Hé hey. Ah bah, Ikira, arrêtez! C'est toi, arrêtez! Personne n'a la ref, n'est-ce pas? Du calme, les bleus, rassemblez-vous. Allons-y! Oh là là, des deux grâces, mais. Je vais peut-être me rendre compte qu'il y a peut-être 250 quêtes dans ce. Dans cette histoire secondaire. Le marathon absolu. Chapitre 8. Terrible. Terrible, terrible. Bon. Eh bien, écoutez, on est reparti, hein. Il n'y a pas de problème, hein. Bon. Nous allons vous expliquer l'exercice. Ah, très bien. Les sixième années sont de l'autre côté, ils ont isolé une zone sécurisée, d'accord. Quant à vous, vous allez affronter des demi-monstres. Dans ce périmètre, les étudiants de sixième année ont créé une zone de combat sécurisée, mais ils ne vous aideront pas. Concentrez-vous sur votre perception de la pression spirituelle et adaptez-vous à la situation. Compris? Bien, on y va. Situation réelle. Pour l'instant, c'est des petits holos. Il y a quand même des holos qui ressemblent plus grands que les autres. Je trouvais que la transition, comment le combat était enclenché. Staming. Staming était bon. Parce que des fois, il y a des histoires, et puis après, le combat se lance et pas de lien avec l'histoire, quoi. C'est un jeu, faut pas trop plus, dire un peu de combat tout de même. Et donc, eux, ils ont des gardes, quoi, donc, utiliser les strong, HoloLance. C'est plus facile que prévu. Grâce à notre travail d'équipe, seul, ça aurait été impossible. Par pour toi, j'aurais pu me battre facilement. J'aurais mis en affronter un vrai. Ça pour frimer, il y a du monde. Mais c'est pas de la frime. C'est juste de l'arrogance. Oui, tu as raison. Allez, on rentre. Mais qu'est-ce que c'est que c'était que ce bruit? C'était quoi? Vite. On a eu un chouet à force. Est-ce que c'est un personnage exclusif? Peut-être. Hein. Au début. Ouais. Il y a Chloé qui est arrivé. Chapitre 9. Ah, j'espère qu'il y a 10 chapitres parce que sinon. Sinon, ça commence. Ça commence à être long. T'as dit. Bon. Ok, il va être temps de rentrer. Iseki, au point de rassemblement. Équipe de la barrière, votre situation? Répondez, vous m'entendez? Et répondez-moi, allô? Allô? Iseki, qu'est-ce qu'il y a? Vite, il faut absolument découvrir. Est-ce qu'il y aura un émeu en perturbateur dans l'histoire? De type un holo qui arrivait, un vrai? Et qui a tué tout le monde? Ah, possible, hein. Ah, tout peut se passer, hein, vous savez. Je crois qu'il a pas pris tout le coup. Je sais qu'il est resté en vie. Petite zone de poison, là. Ah non, c'est pas du poison, c'est de.
C'est quoi? C'est de l'affaiblissement, non? C'est pas le terme technique utilisé, non? Je sais pas. Il n'y a rien là. Bon, pas de caisse. Dès qu'il y a une caisse, je suis extrêmement content. Oula! Ok, j'ai réussi à les toucher alors que. J'aurais pu viser que le moustique qui était à côté, quoi, mais. Oh, il les caisse. Holo et ventreur. Même pas le temps de dire ouf que c'est gagné. Qu'est-ce savoir? Répondez. Elle est morte. Tu vas payer pour avoir tué Kazizawa. Non, Aoga. Et c'est quoi ce truc? C'est un holo? Quoi? Un Ujolo? C'est impossible! Pourquoi personne ne l'a senti approcher? Gros. Quoi? Un autre? Mais comment est-ce possible? Tout ceci n'a aucun sens. D'accord. Chapitre 10. Putain, étude de quête. Est-ce que ça va être la dernière quête de cette petite histoire secondaire? Mais moins sûr. Hein. Les bleus, fuyez aussi loin que possible! Ah, Society, nous avons besoin d'aide ici, Shuei, Ishikaki! Monde des humains, point 10-26, là, c'est la merde! Attaque d'un Ujolo, secteur nord-est, 21-28, au secours! Au secours, au secours! À l'aide! Ah. Et qu'est-ce que tu veux, Rick? Cours! Cours, Forest! Cours pour ta vie! Et casse la bouteille, la poubelle pour gagner des bonus! De grâce! Des bonus! Ah oui, ça c'est bien! Je casse la poubelle. Les loot, toujours plus de loot. Oh, il drop des trucs là. Ah, c'était juste de la vie, dommage. Ok. La poubelle, la poubelle. Ok, c'est bon. Oh, il a esquivé ça, ouais, c'est vraiment une attaque qu'on doit effectuer à distance. Hein. Oui, la poubelle. Et vers le bas, vers le bas. Je commence à ne plus pouvoir one-shot littéralement les ennemis. J'ai pas vu quel niveau ils étaient, 14. Ouais, Aizen donne tout. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais, Memory? Ne t'arrête pas. Pourquoi? Pourquoi tout le monde fuit? Je ne comprends pas ce qui se passe. Mais qu'est-ce que tu racontes? On a dit de fuir. Nous devons obéir aux ordres. Mais tu n'espères quand même pas l'aider. Tu l'as vu, il a été tuant. Il a tué deux étudiants de sixième année. Alors nous, les premières années, même en groupe, ça ne fait rien. Bon, je sais que je suis un peu fort, mais bon. Là, c'est compliqué quand même. Oui, mais. Et Memory? Est-ce qu'elle s'est enfuie? Ah, peut-être. Oh, mais c'est interminable. Et là, imaginez 2 secondes si je fais la mauvaise quête secondaire. Et qu'en fait. Aïe 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 aïe, bon. Allez. Allez, courage. Et merde! Les secours n'arrivent toujours pas et je n'arrive pas à contacter l'équipe de ma barrière. Est-ce que les bleus ont réussi à fuir? Je ne sens plus leur patience spirituelle. Bon,
Quoi? Par derrière cette fois, il dissimule l'énergie, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte de rien. Tu es balèze, mais je n'ai pas encore fini. Bon. Allez, progressons. Oh, il est 15. Les petits cristaux. Oula. Et alors, il y a une garde. Ok. Oh, il y a poubelle. Oui, oh, ça c'était bien ça. Ils ont spawn directement dans ma flaque de d'affaiblissement du coup. Alors c'est du poison. Ah, je ne sais pas, écoutez. Ça a l'air d'être du poison. Hein. Holo armure. Pourtant, je ne vois plus rien. Vous, pardon, nous avons désobéi aux ordres, mais c'était pour vous sauver. D'accord. Dans ce concours, même hors live, il nous aide. Je suis chaos, un de sang qui déferle vers le sud. Tant il est peut-être qu'il deux sur un poulet rouge. Maintenant, venez avec nous. Compris. Ah oh là, ils ont réussi à chauver-chouer. Les boss. C'est pour ça que les deux autres sixième année, bon, bah. On les connaît pas, quoi. Oh punaise. Est-ce qu'on va réussir à s'en sortir, à faire une enquête? Ah, je pense pas. Hein. Je pense que la vidéo va durer, va durer 2h30 et puis on sera là en mode ah putain, quête 46, oh, compliqué. Bon, là aussi grand pas nous a rapprochés. Bah, oui, notre force ne suffira pas pour le battre. Je n'en ai jamais vu. Ils ont dû stimuler leur énergie. Que va-t-on faire? Je demande l'aide à la Soul Society. Nous devons tenir en attendant. Pour l'instant, on file. Voilà, quelle péripétie. En même temps, s'il n'y avait pas de problème, ben, il n'y aurait aucune raison de raconter l'histoire. Donc, alors, la petite péripétie, bien sûr. La poubelle. Ok, c'est bon. Le syndrome de Link. Hein. Dès qu'on voit un truc qui peut se briser, on le fait. On est du véritable zoom gun. Bon, la poubelle. Ok, let's go. La poubelle. J'ai une poubelle en haut. Okay, let's go. Well, hein. Voilà, on espère qu'il se soit mis en ligne droite et c'est le cas. Ouais. Ce n'est pas vrai! Il a appelé des amis.
Ah oui, effectivement. Ah oui, et puis ils sont un peu beaucoup là. Autour de Julo, mais c'est la folie. Comment va-t-on faire pour survivre? Non, ce n'est pas vrai, Deolo. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Eh bien, il y en a un paquet. Désolé pour l'attente, tous venus vous sauver. Vous, vous êtes la 5e division, le capitaine Eisen et le vice-capitaine Ishimaru. Bah, tranquille. Vous avez bien travaillé. Vous avez dû avoir peur. Et c'est fini. On va s'occuper du reste. Allez vous opposer et laissez-nous faire. On est tellement gentils que on va gagner. Ok. C'était incroyable. Quoi? Ah oui, bien sûr, c'est capitaine. Oui, c'était incroyable. Est-ce qu'on arrivait à ce niveau un jour? Bah tiens, c'est impossible, voyons. Les capitaines et vice-capitaines sont des monstres. Tais-toi, Dai. Moi, je voulais y arriver. J'avais la volonté. Je croyais en la puissance de l'amitié. Jamais, moi. Vous allez voir. Oui. Et les bleus, il ne reste que vous. Dépêchez-vous, on vous laisse ici. Ah oui. On ne s'arrêtera pas. Même si nos routes se séparent, on continuera à avancer. On continuera à avancer. Quels que soient les obstacles qui pourraient se dresser un jour devant nous. Oh, on a complété toutes les quêtes. Ah, du coup, la pauvre Rukia. Mis à part. Oh, une petite Rukia. Petite Rukia 4 étoiles. Bon, bah, très bien. On a réussi à compléter ça. Alors dites-moi que. Ok, on a. C'était la bonne mission. Cadécance. Accepter une nouvelle mission. Bon. Écran principal. Principal, pardon. Mission de défi niveau avancé. Bravo, tu as terminé les missions de niveau intermédiaire. Les missions de défi niveau avancé te sont ouvertes. C'est le moment de tout donner. Je te souviendrai du mieux que je peux. D'accord. Eh bien, allons-y. Commençons les missions de niveau avancé. Bien sûr que pour les autres niveaux, une belle récompense t'attend si tu viens à bout des missions de tous les modes de difficulté. Accepter. Alors, termine l'arc série. Oh, oh punaise. Oh, je sens que ça va être terrible. Termine quête événement. D'accord. Oui, ça devrait aller. Gagner 10 ans et le battle. Ça va se faire à la longue. D'accord, ok. La légende des Indes partout. Je crois que j'ai déjà complété des missions qui sont là, puisqu'il y a 5 sur 10 et 6 sur 11. Très bien, on va pouvoir augmenter le rang. Compléter. Et ça, je vais pouvoir faire ça en off, je pense. La suite. Ouais, parce que c'est peut-être pas intéressant. Je vais voir arc secondaire. C'était la révolte des Indes Pacto. Monde parallèle, ça n'a pas l'air d'être ça. Est-ce que c'est festival du film Serretei? La légende des Indes Pacto. Je pense que ça va être les premières missions de leur groupe. Donc des humains.
Ness, les fantômes, pas du tout. Peut-être dans Echo Mundo. Rencontre dans la forêt des Ménos. Moi, je reconnais pas ce personnage. Intriguant. Lamp Society. D'accord, Spirit Society, trois troubles faites. La Cacao Society, infini. Alors pourquoi cacao se sont transformés à Kim Elverse. Brûlis la sorcière. La renaissance alternative, d'accord. 2, 3, 4, d'accord. C'est intriguant tout ceci. Alors attendez, je ne sais plus. Je vais peut-être continuer avec l'histoire secondaire ici. Quoique, ça fait quand même 51 minutes. Marque hors série. Ah oui, non, d'accord. C'est pas du tout ici. Ça doit être là, quelque part. Ah oui, oulala. Ah bon, on n'est pas sorti de l'auberge hein, pour compléter ceci. On n'est pas sorti de l'auberge, c'est moi qui vous le dis. C'est pas juste une petite dizaine de missions ou quoi. Ok. Bon. Pour atteindre le niveau 30 et débloquer les raids. Ouais. Oui. Le distributeur. Je crois que j'en ai. Écoutez, tout va bien se passer. Je pense que je vais terminer la vidéo ici. Je vais compléter les missions qui me demandent. En mode, tout va bien, évidemment. Et voilà, tout simplement. Oui, ça devrait aller. Est-ce que je fais ça en même temps? Allez. Allez. On se motive. Code opération Mago avec un bouquin d'expérience. C'est parti. On va éviter de trop, trop y aller comme des oufs. On va mettre qui? Ouais, peu importe. Hein. Par exemple, un perso qu'on doit XP. D'accord. Attendez, je regarde un peu 2 secondes. Droite à gauche. Allez. Le petit Kenpachi. Hop. Avec ce Kenpachi, on va lui mettre un petit accessoire. Petit bouquin. Normalement, c'est tout bon. Je pense qu'il va passer niveau supérieur, j'imagine. Allez, on lance la petite quête. Comme ça, on va récupérer les orbes du Kenpachi. Et on sera extrêmement content. Allez, petit bazooka. Ok, bon. Même si j'essaye de... Ouais, non. Wizen est trop rapide. Donc là, normalement, ça a été pris en compte. Ah non, c'était pas celui-là. C'est Con Opération Mago. Ok. Il n'y a pas de problème. Il n'y a que des solutions. Bon, ouais, il n'y a que... Bon, c'est pas grave.
C'est pas grave, on a gagné plein de cônes. Ça me servira pour démasser la limite des persos. De toute façon, je fais ça tous les jours, donc tout va bien. Casse, hein, non, ok. C'était noté là. Dépêche. Ok. Progressons, progressons. Ok, donc là normalement c'est bon. Petit retour. C'est complété. Terminé de terrain d'entraînement. J'aime une fois avec un personnage possédant putain de cristaux. D'accord. Qu'est-ce qui pourrait me manquer? En général, au niveau des. Attends, il a demandé quoi? Des gemmes ou des cristaux? Parce que c'est totalement différent. Ah! Ok. Bon, je n'ai pas complété ça, mais ça a été pris en compte. Ça, c'est complété. Ça aussi. Okay, bon, pour l'instant, on n'appuie que sur des boutons. Si ça se trouve, j'ai même pas vu que ça se trouve l'opération code ou quoi, c'était déjà validé. Et que du coup, ok. C'est pas. Ok, bon, ça aussi, ça a été complété. J'ai compris assez rapidement. Heureusement. Ok. Redéclencher les feux de dans un secteur une fois. Et ça peut se faire. Attaque plus 3%. Alors, il y a un truc qui pourrait être intéressant de modifier. Attention. Je vais essayer de modifier celui-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Ah, il faut des pinceaux de réécriture, d'accord. Oula. J'en ai qu'un seul. Calmons-nous. C'est parti. Alors, voyons voir. Défense 30%. Okay. Oui, nouvel effet. Oui, nouvel effet. On gagne plus de défense ou quoi, donc c'est un peu mieux tout de même. Ok, donc on a complété ceci. Je vais pas m'attarder à faire d'autres trucs. Bon. Va pas tout dépenser pour faire des bêtises, je ne sais pas. Ce qui est optimal ou quoi, donc calmons-nous. Calmons-nous, calmons-nous. Évidemment, j'ai annoncé quelque chose en début de la vidéo et au final, je vais pas le faire parce que je peux partir à faire le mode histoire, là, sinon. À compléter les missions défi niveau avancé. Oh là là! Aïe 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 aïe. Ouais. Aïe 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 aïe. Ok, bon, ça vous tire qu'il faudrait que je complète ça.
Donc ça sous-entend que il va falloir que je complète l'histoire par le arc hors série secondaire machin truc l'élection des zones pacto partie 1. Bon. Ah bah il y a du boulot. Ah bah je pourrais. En plus il va falloir que je complète l'arc en mode normal. Ouais. Bon. Je vais pas débloquer des raids tout de suite les amis, hein. Ça va être long. Bon écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ici, ça fait tout de même 1 heure de vidéo, donc ça fait beaucoup évidemment. Donc bon écoutez, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis bah je vous dis à très bientôt.